Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étude autour de la parole de Dieu sur le thème qui est les morts en Christ. Donc pour cette étude, je serai accompagné par le pasteur André Villers et le pasteur Charlie Raison. Et avant de commencer, je vous propose de pouvoir prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette joie d'être ensemble, de partager ce moment d'étude. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous et par ton esprit de nous parler, de nous interpeller, de nous mettre dans notre cœur cette parole de vie, afin que nous puissions, Seigneur, non seulement la comprendre, l'assimiler, mais qu'elle puisse devenir aussi, Seigneur, qu'elle puisse prendre vie en chacun de nous. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous par ton esprit, guide toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, effectivement, un thème important que la mort. Et on va s'appuyer sur un texte pour cette étude, qui sera le texte de 1 de l'Épître aux 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et c'est Charlie qui va nous introduire dans cette lecture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui y sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci Charlie. Alors c'est vrai que dans la théologie de Paul, on peut dire que il y a deux affirmations essentielles qui sont au cœur de son message, qui est le message de la croix. Il dit dans 1 Corinthiens 2, je n'ai pas eu la pensée, d'autre pensée que le Christ crucifié. Mais Christ est mort, mais il dit dans Romains 8, au verset 34, il dit « Christ est mort, bien plus il est ressuscité ». Ce mot « bien plus » montre que bien, la mort du Christ devait être aussi accompagnée de la résurrection du Christ, parce que sans résurrection, finalement, Christ n'aurait pas vaincu cette mort, Christ n'aurait pas vaincu le tombeau, il ne serait pas sorti de ce tombeau, et finalement, il n'y aurait pas de salut. Pas de salut et donc pas d'espérance pour ni vous, ni chacun de nous. Et c'est là le message central de l'Évangile que Paul va prêcher tout au long de sa vie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et par cette résurrection, une nouvelle vie s'offre à nous, une nouvelle espérance qui va au-delà même, finalement, de notre mort, de notre tombeau. Parce que ce tombeau vide du Christ, c'est finalement, il symbolise notre propre tombeau qui sera laissé vide aussi un jour, au jour de la résurrection, de notre résurrection. Oui. Quand on lit ce passage, tu fais référence justement à notre résurrection, et Paul montre clairement que cette vie après la mort, elle ne peut exister qu'après la résurrection. Parce que c'est ce qu'il affirme ici. Quand il dit « nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés », ça veut dire qu'on ne va pas passer devant parce qu'on est vivant. Ça veut dire aussi que les morts ne sont pas déjà au ciel. Tout à fait. Et que donc, il y a
une résurrection des morts. Ceux qui sont vivants au retour du Christ, quand on prend ce texte, hein, sont transformés et on est tous ensemble enlevés. C'est ce moment-là que commence la vie après la mort. Tout à fait. Et c'est justement toute la force de ce texte de pouvoir bien présenter les événements, les choses, parce que le thème de la résurrection, en fait, est un thème difficile à comprendre, à cerner, surtout à l'époque de Paul, qui était quand même une culture grecque, païenne, avec toute la notion de l'immortalité de l'âme, les notions avec les religions à mystère, etc. Et venir là proclamer un message aussi fou que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui allait à l'encontre de la culture générale ambiante. Et je crois quelque part qu'il va aussi encore à l'encontre de notre culture aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Oui, parce que Paul a été confronté à Athènes à ce problème quand il avait prêché à Athènes. Voilà. Quand il a parlé de la résurrection des morts, on lui a dit « bon, ça va, on en a assez entendu ». Hein ? Et c'est vrai que dans la culture de l'époque païenne, le corps était un accessoire qui devenait inutile au bout d'un certain temps parce qu'il y avait une vie dans l'au-delà où on n'en avait plus besoin. Il était comme une prison. Voilà. Alors que pour Paul, c'est au contraire le salut qui s'exerce quand le corps ressuscite. Exactement. Ce texte a quand même un élément réconfortant qui touche à une question existentielle. Que se passe-t-il après la mort ? Et tout le monde se pose cette question. Et même ceux qui n'ont pas un intérêt particulier, qui n'ont pas d'espérance, aimeraient aussi savoir, y a-t-il une vie dans l'au-delà ? Ici, l'apôtre Paul, s'adressant quand même à des croyants, va quand même initier sa déclaration en disant « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous voulons être clairs au sujet de ceux qui sont décédés. Pourquoi ? Parce que même lorsque nous traversons un deuil, nous sommes affligés, nous sommes meurtris, nous sommes blessés. Cependant, l'apôtre quand même, il invite à ce que chacun puisse traverser cette épreuve douloureuse qu'est la mort, avec une espérance. Déjà, espérance pour celui qui se sent partir, si on est atteint d'une maladie incurable, grave, mais aussi pour ceux qui vont rester, affronter cette difficulté avec l'espérance. Il me semble qu'il faut le noter au début. Tout à fait. Et je pense qu'il est important aussi de comprendre sur quoi repose véritablement cette espérance. Et je voudrais proposer à André de lire 1 Corinthiens 15, du verset 20 à 23, qui nous donne justement un peu une piste de réflexion sur le fondement de cette espérance qui est la nôtre. Qui dit donc « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts ». Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors justement, Paul nous dit « Ne soyez pas tristes » parce que justement, il y a une espérance et cette espérance, elle est fondée dans la résurrection même du Christ. Qu'a-t-il dit dans ce texte justement ? Christ est le... Le premier. Le premier, le prémisse, c'est-à-dire le premier fruit de cette moisson et suivront tout le reste. Mais c'est assez surprenant parce que quand on regarde l'Ancien Testament, il y a déjà eu des gens qui sont ressuscités avant Jésus. Alors pourquoi c'est le premier ? Tout à fait. Jésus a même ressuscité Lazare, par exemple. Mais Lazare est ensuite... Il me semble que le premier ici, c'est l'idée de celui sans lequel
il n'y aurait pas de résurrection. Dans le sens où, si nous nous rappelons quelque peu les paroles du Christ dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11e, il dit quand même « Je suis la résurrection et la vie ». Il le précise, cela sous-entend que toute résurrection se fait toujours, et même les résurrections de l'Ancien Testament ne sont possibles qu'en considérant la résurrection, la vie nouvelle apportée par le Christ. Paul veut dire par là que c'est Jésus qui a vaincu la mort. Nous ne pouvons pas la vaincre. Jésus seul avait ce pouvoir. Et même s'il est ressuscité bien après d'autres personnes, il est le vainqueur de la mort, et c'est par lui, comme tu le faisais remarquer, que la résurrection est possible, parce qu'il est la résurrection. Je crois que le texte de 1 Corinthiens 15 nous donne même une piste, puisqu'il nous parle du premier Adam, de l'homme qui justement... Tous meurent en Adam. Voilà, la mort est venue de cet homme et la vie va venir de ce dernier Adam, de ce nouvel Adam. Comme si Jésus symbolisait une nouvelle humanité, puisque le premier Adam en tant que le père de cette humanité, et Jésus comme s'il était le père de cette nouvelle humanité qui, elle, est libre de la mort, qui, elle, est libre finalement même de la puissance du péché. Parce que la mort est justement, au niveau biblique, la conséquence du péché, c'est-à-dire de la rupture avec Dieu, avec la source de vie. Et la résurrection du Christ doit être vue en perspective de l'œuvre accomplie à la croix, comme l'agneau de Dieu, le sacrifice pour expier, pour pardonner les péchés du monde entier. Et je crois que c'est là où justement il y a quelque chose d'unique dans la résurrection du Christ, parce qu'elle est justement liée à l'œuvre de la croix, à ce sacrifice de Dieu pour les hommes. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que d'imaginer que par mon baptême, par exemple, je viens m'unir pour toujours à ce Christ porteur de cette nouvelle humanité, libre, libre de la mort, libre du pouvoir même du péché, dans ma vie. Adam est pécheur, il a péché, et donc il a mis au monde une humanité pécheresse et qui n'a d'autre solution que la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, dit Paul. Et Jésus vient contrecarrer ce fait en introduisant en vainquant la mort et en introduisant la résurrection. Donc il donne naissance à une humanité qui ressuscite, ou qui va ressusciter, parce qu'on dit bien que c'est l'heure de son avènement. Donc on voit bien que les fondements de cette espérance sont quand même forts, sont quand même... Il y a de quoi soutenir notre foi dans la résurrection à cause justement... ou grâce à la résurrection même du Christ et de tout ce qu'elle implique. Mais la résurrection du Christ et la résurrection de ceux qui suivront derrière lors de son avènement, c'est vraiment le sommet finalement de l'Évangile, c'est la solution que Dieu apporte à l'humanité face au problème de la mort. Et je crois qu'aujourd'hui, on parlait un peu tout à l'heure de cette culture qui a du mal à accepter peut-être l'idée de résurrection, puisque le monde croit plutôt à l'immortalité de l'âme, que la mort n'est qu'une étape vers une autre vie. Oui, et à finalement, ce moment-là, à quoi ça sert de ressusciter ? À quoi cela peut-il servir ? C'est vrai, mais quelque part, on sent qu'il y a toujours ces deux paroles qui se confrontent. Hein. D'un côté, celle de Dieu qui avertit, attention, à cause du péché, si tu prends de ce fruit, tu mourras. Et le serpent qui, lui, conteste cette parole et qui dit, mais non, tu ne mourras pas. Et finalement, dans l'idée de l'immortalité de l'âme, c'est comme si, quelque part, le serpent continuait à dire, mais non, vous ne mourrez pas. Et les conséquences du péché, finalement, ne sont pas si graves, puisque
l'idée, c'est que la mort n'est qu'un passage vers la vie, que finalement, il y a en nous une sorte, une parcelle divine qui, elle, ne peut pas mourir, qui, elle, est immortelle, voire éternelle. Et je crois que là, il y a vraiment justement une séduction. Et Paul, il dit quelque chose de sensé lorsqu'il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Et le terme grec peut être traduit et devrait même peut-être être traduit par « dormir hein, » au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, sous-entendu, ceux qui sont partis avec l'espérance de la résurrection. Il y a quand même une dimension radicale dans cette dimension de l'évangile. La mort est censée être la fin pour un certain nombre de personnes. Et parfois, cette fin, elle est tellement dure à accepter que nous choisissons le fait que la vie ne s'arrête jamais et que l'on puisse se réincarner plusieurs fois. Et de facto, pourquoi besoin de la résurrection, puisque de toute façon, on ne meurt pas. Et il me semble que ce message de la résurrection rappelle que notre humanité, en dehors de Dieu, a quand même une fin et que la seule possibilité qui nous est offerte pour une vie nouvelle, une vie autre, c'est quand même de partir avec la conscience que la résurrection, elle est possible et que l'on y croit parce que le Christ est ressuscité. Il me semble que c'est un message à la fois radical mais aussi interpellant puisque ce n'est pas un message facilement acceptable. Est difficilement acceptable, je pense, parce que on a aussi une difficulté à faire face à la réalité de la mort et de ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la fin de la vie, le contraire de la vie. On dit souvent, ben, la mort, c'est la vie, mais bibliquement, non. La mort, c'est vraiment la fin de la vie. Et c'est là le drame, la profonde détresse dans laquelle notre humanité, elle est. Et c'est à cause de cela que Christ va venir, puisque justement le monde est dans une voie sans issue, dans une impasse dont elle ne peut sortir elle-même. Un auteur disait, Alfred Vaucher, dans l'Histoire du salut, donc dans ce livre de La vie après la mort, bon livre qui traite de 1 Corinthiens 15. Il est dit ceci, « Le péché est une tragique réalité, la mort en est une autre. Si le péché n'était qu'une faute insignifiante, une peccadille, la mort ne serait qu'une apparence. Mais si, comme l'affirme l'apôtre Paul, le péché est extrêmement péchant, la mort qui en est le salaire est aussi une effroyable réalité, une punition redoutable, le roi des épouvantements, l'ennemi de l'homme qui sera le dernier à disparaître. » Et c'est vrai que l'apôtre Paul va continuer son texte dans 1 Corinthiens 15 et présente la mort comme l'ennemi de Dieu, le dernier ennemi de Dieu qui sera éliminé. La mort, c'est quand même le contraire, une opposition à l'essence même de Dieu. Qui est l'existence, qui transmet la vie, et la mort vient, en tout cas, tel que nous vivons la mort dans notre quotidien, vient rompre ce cycle de vie qui a commencé à un moment donné. S'il n'y a pas de résurrection, ça voudrait dire quelque part que Dieu, dans sa création, s'il fallait vivre donc avec une âme éthérée, je ne sais pas trop comment dire, ça voudrait dire que quand Dieu nous a créés, il nous avait créés imparfaits. Il fallait que le corps disparaisse pour que vraiment on puisse vivre. Hein? Alors qu'à la création, tout est parfait. L'homme a un corps et il est parfait. Et il peut vivre l'éternité comme cela. C'est le péché qui vient détériorer cet état de fait.
Donc, accepter la résurrection, c'est dire, je crois que la création est parfaite et que Dieu m'a donné un corps pour que je vive heureux avec. Alors, c'est vrai qu'il est parlé de corps glorieux, de corps immortel, mais ça ne veut pas dire que le corps sera inexistant. D'ailleurs, je voudrais vous proposer la lecture de 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, qui nous parle, ou 54, qui nous parle de ce corps, justement, qui doit ressusciter et qui vient compléter un peu le texte de 1 Thessaloniciens. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alors, au verset 54, il dit « S'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ça rejoint le texte d'un Thessalonicien 4 que nous lisions tout à l'heure, hein, où il est dit que les morts ressuscitent premièrement et les vivants sont transformés pour être avec. C'est exactement la même chose, dit autrement, avec des détails en plus qui ne sont pas anodins d'ailleurs, hein, que le corps corruptible devient incorruptible, mais il est toujours là, le corps. Hein, et que ce corps mortel devient immortel, mais il y a toujours un corps. Que l'on retrouve ici dans 1 Corinthiens 15, à savoir que la mort a été engloutie dans la victoire qui est celle de la croix, qui symbolise la vie du Christ à la fois répandue pour nous, mais une vie, puisque l'apôtre Paul va dire lui-même, oui, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il montre, voilà, même la mort n'a pas eu raison du Christ, il n'a pas été gardé dans cette mort, et que justement, cette victoire de la résurrection, bah, finalement, est bien plus importante au regard de la mort. Qu'est-ce que la mort ? Face au Christ. La mort n'a pas pu retenir le Christ. Donc, si le croyant accepte cette bonne nouvelle en Christ, cette résurrection aussi est pour lui. Jésus, quand il parlait de Lazare, avait dit « Lazare dort, je vais le réveiller ». Hein ? Donc, pour Christ, la mort, c'est comme un sommeil. Il y a une possibilité de réveil. D'ailleurs, quand il parle à la sœur de Lazare, Marthe, elle lui dit « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Donc elle-même, déjà, elle avait cette foi, elle avait cette conviction. Oui, et je crois que, justement, le texte nous dit que, on parlait du verbe « décéder » qui peut dire « dormir », voilà. Et c'est comme un sommeil, finalement, avant le réveil. Et le mot « résurrection » peut aussi dire « réveiller ». Donc finalement, le décédé est quelqu'un qui dort et il sera réveillé par le son de la trompette, comme 1 Corinthiens 15 dit, ou par ou la voix de Dieu. En tout cas, un signal donné, il est dit que les morts entendront la voix de Dieu, entendront cet appel et se réveilleront. Il faut beaucoup de foi aussi, hein, pour y croire. Parce que ceux qui sont morts, comme Paul il y a 2000 ans, ils ne sont plus que poussière. Hein? Donc il faut vraiment que la foi soit là pour qu'on puisse encore accepter ce message. Et c'est un acte de foi, un acte de foi dans la toute-puissance de Dieu. Nous comprenons pourquoi Jésus va interpeller les sœurs de Lazare. Crois-tu cela ? C'est-à-dire, est-ce que ta foi t'emmène à croire que j'ai un pouvoir, moi, le Christ, qui est présent, vivant, une autorité sur la mort ? Est-ce que Jésus est vraiment la résurrection, comme il l'a dit ? Voilà. Si on accepte ça, on n'a pas de problème avec la mort. Enfin, pas de problème, bien sûr, elle est toujours là. Mais on a la certitude, on a la conviction que celui
qui est décédé ressuscitera. Et c'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas que vous vous affligiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est pour ça qu'on se rend compte que finalement la résurrection est un acte créateur. Finalement, si nous avons la foi que nous avons été créés par Dieu à partir de la poussière, eh bien nous pouvons avoir cette même foi qu'à partir de la poussière, Dieu pourra nous recréer. La résurrection est un acte créateur qui renvoie à la création, qui renvoie à l'idée d'un Dieu créateur, Dieu rédempteur, et finalement le Dieu rédempteur n'est rien d'autre que le Dieu recréateur d'une nouvelle humanité guérie et libérée du péché, de son influence, de ses conséquences, de son pouvoir et de cette finalité tragique qu'est la mort. Et c'est là où je pense qu'on peut rendre gloire à Dieu pour cet acte, pour ce don qu'il a fait à chacun de nous. Et je crois que on peut aujourd'hui être plein d'espérance, vous pouvez être plein d'espérance, parce que cette promesse qui a été faite pour chacun d'entre nous, elle est aussi pour moi, pour vous, mais elle est avant tout aussi pour chacun d'entre vous. La mort n'est pas une fatalité, la mort a été vaincue, la mort reste une tragédie, reste quelque chose de difficile, qui fait souffrir, reste quelque chose de profondément injuste. Mais parce que Dieu est juste, il est venu rétablir toute chose. Et il veut que nous soyons participants à cette œuvre de création, de recréation. Et j'espère vraiment, et ce sera là vraiment ma prière, notre prière, je pense, que nous puissions accueillir ce don de Dieu et comprendre que Jésus-Christ est la résurrection, la vie. Et que même si nous mourrons, nous ne mourrons pas, puisque l'espérance de la résurrection, cette même résurrection que le Christ lui-même a vécue, eh bien elle est là, elle est en nous, elle est pour nous, et c'est par la foi que nous pouvons la recevoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise sur ce chemin de vie, d'éternité, et par la grâce de Dieu, eh bien, j'espère qu'au son de la trompette, nous serons là ensemble et nous pourrons être enlevés dans les airs, comme la parole de Paul nous le dit, à la rencontre de Dieu, parce que Jésus a dit qu'il nous rassemblera des extrémités de la terre pour être avec lui au ciel et dans la nouvelle Jérusalem lorsqu'il rétablira un monde nouveau. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et merci de votre attention. Et merci à vous.